Yo les gens, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le site de Yandere Simulator. Je pense que tout le monde l'a vu si on va dans personnages. On a toujours la gueule de Senpai, hein, voilà. On va descendre tout en bas et on a... Oula. Et on a le petit frère de Megami. Donc je fais descendre le curseur pour que vous pouvez lire. Mais je vous le lis pas parce que j'ai pas trop envie de lire. Voilà. Après, parce que voilà, enfin moi en fait je peux pas le télécharger en fait Yandere Simulator bien évidemment parce que j'ai foutu un code et que je peux pas retrouver donc voilà. Senpai, bonjour, voilà. Mais sinon, voilà. Après, je trouve, je vais faire un petit tour aussi sur tous les personnages, que Mujakina, en fait, elle ne le fait pas exprès d'être aussi jolie, enfin, aussi avoir une chemise vraiment décolletée comme ça. Nala. Mais je trouve qu'elle est mignonne, mais quand même, c'est aller un petit peu trop bas. Je trouve vraiment, bah, déjà, en fait, vraiment trop. Voilà. Pourquoi je retourne toujours dans Characters? J'en ai marre. Après, bon, voilà. Donc, les rivaux, après, voilà. Enfin, je vous montre ce que j'adore. Enfin, ce que j'adore. Ce que j'aime plus. Megami. Megami, je sais pas pourquoi je l'aime pas. Je l'aime pas du tout. On va voir en doux, en normal et en doux. C'est n'importe quoi, très bien. Ça bug. J'ai pas compris pourquoi il y a écrit semaine 10. Peut-être qu'elle apparaîtrait dans la semaine 10. Voilà. Alors, elle, Kizana, juste je vous dis ça comme ça. Kizana, je ne l'aime pas parce que bah déjà elle fait trop imbèche là comme ça et à son regard bah j'aime pas du tout et c'est couette en fait son personnage en lui-même bah je le trouve vraiment trop vraiment peste en fait vraiment vraiment peste. Après, j'aime plus. Alors, enfin, Info-chan, j'ai pas. Info-chan, on la voit pas encore de visage, mais. En tout cas, c'est notre allié. C'est tout. D'accord. Très bien. C'est notre allié, machin, machin. Voilà. Moi, ce que j'aime le plus. Enfin, ce que j'aime le plus. Le personnage que j'aime le plus, c'est Némésis. Parce que Némésis, bah. En fait, j'aime bien en fait, son style, même la coupe de cheveux. J'aime bien Némésis parce que, en fait, elle inspire un petit peu le mal. Parce que je sais pas que j'aime le mal, mais c'est juste que j'aime bien Némésis. Donc, voilà. Mais j'aime bien. Enfin, un petit peu son style. Bon, la coiffure, par contre, la coiffure, j'aime pas trop. La coupe, j'aime pas trop. Mais sinon. Son style, j'aime bien, à part la coupe. C'est tout. Alors, Budo fait trop. Monsieur, je sais tout. Enfin, juste le sport. Le mec, il se prend trop pour. Moi, je sais faire du sport. Voilà. Donc. Voilà. Mais sinon, j'aime bien aussi Budo. Il est marrant. Enfin, il est marrant. Toujours à rester planté dans son club, hein, évidemment. Voilà. J'ai vu quand même des vidéos de Yandere Simulator. Mais moi, bien évidemment, je ne peux pas faire Yandere Simulator. Je vous l'ai dit. C'est que. J'ai mis un mot de passe et je ne retrouve plus. Mais bon. C'est pas notre problème. Oka. J'adore Okaruto. Alors, Okaruto, en plus, j'adore tout son.
J'adore ses habits, surtout ses collants en fait avec des petites toiles d'araignée. Et surtout, j'adore là avec Osana. Alors, Osana, c'est Osana, c'est une rivale, oui. C'est gris, mais surtout, je l'aime pas. Ça fait comme Kizana, les pains bêches. Voilà. Après, sinon, il y a Musume, je crois qu'il y avait vu, mais je sais pas. Parce que ça, c'est. Voilà, on va voir les autres. Je n'ai pas dit info de Chan. Rivo, non. Club leader. Attends, faculté. Je sais pas. Parce que. Ah! La petite sœur de Senpai. C'est pas que je ne l'aime pas, mais elle a une voix comme c'est pas possible. Une voix à en tomber par terre. Enfin, j'aime pas sa voix en fait, ça m'agace. J'aime pas du tout sa voix. Notre petite Ayano, enfin, Yandere-chan. Que j'adore, surtout la coupe. J'ai. Par contre, on voit qu'elle a un vrai problème avec Senpai, bien évidemment. Hein. On voit vraiment qu'elle a un problème avec Senpai. Osoro Shiresu, ça va, ça passe, mais c'est juste que en fait, avec son physique, on va avoir vraiment du mal. Enfin, on va. En fait, c'est juste que Yandere-chan va avoir du mal à genre. Vraiment, enfin, pas accéder, mais à voir ce qu'elle veut. Parce que toutes les rivales sont amoureuses de Senpai. Oui, les rivales sont amoureuses de Senpai. Et donc voilà. Et surtout, bah, en fait, on arrive à moi, je dis des paliers, mais on peut dire des stades. Mais bon, moi, je dis des paliers. Des paliers de rivales. Donc la première rivale, Osana. Et après, au top du top, je crois que c'est Megami, je crois. C'est Megami la plus difficile. Après, voilà. Bon, après, on a vu la tante de Megami. La figure la plus importante d'Akame. On ne sait rien sur elle, mais en tout cas, on sait que c'est la tante de Megami. Bah après, bah voilà. Je vais vous montrer. Ouais, le. Il nous met rien. Voilà. C'est. J'ai déjà en fait entendu. J'ai déjà entendu le personnage. Enfin, j'ai déjà vu ce personnage dans Yandere Simulator. Mais ils nous disent rien. Enfin, moi, enfin ils nous disent rien, à part que moi, en fait, je n'ai pas Yandere Simulator, donc j'ai pas les personnages, mais j'ai pas là le nom du personnage, j'ai pas tout ça. Voilà. Après, bah, voilà. Ah si, Infocoon. Ouais, d'accord, Infocoon, très bien. Bon bah je vous dis à une prochaine vidéo et prenez soin de vous, c'est important. Bye.